Alors, comme vous avez pu le voir, je vais retester, entre parenthèses, hein, c'est pas vraiment un test, hein, je ne vais pas le confronter à des virus ni à mes samples. J'ai Data Internet Security, voilà. C'est juste pour voir s'il y a des nouveautés, si le pare-feu s'est amélioré, etc. Donc, je ne vais pas faire beaucoup de vidéos. Donc, je vous ai montré le début de l'installation. C'est tout simplement pour vous faire voir les options que vous pouvez activer et désactiver. Voilà. Donc là, je viens de l'installer bah, à l'instant là. Et comme vous pouvez le voir, hein, la version d'essai, il vous balance déjà comme quoi que vous êtes en version d'essai. Alors ça, il me semble que c'est tous les jours, à chaque fois que vous allez allumer votre ordinateur, quand vous êtes en version d'essai, bien sûr, hein, tous les jours, il vous balance cette notification. Alors ça peut être vraiment désagréable, voire très désagréable. Donc, alors petit tour vite fait sur l'interface. Bon, il n'y a pas. Alors, ils n'ont pas changé l'apparence de leur interface. Hein. Ils n'ont pas fait comme Avira, qui a changé un petit peu l'apparence. Voilà, l'apparence générale, ils ont changé. Après, ça reste la même dès que vous rentrez dans la configuration. Mais là, GData, apparemment, ils n'ont rien fait du tout là-dessus. Ils sont restés comme ça. Bon, après, ça c'est une chose. Donc, grosso modo, vous avez les onglets ici, voilà, protection, ici, hop. Le pare-feu là, donc le pare-feu, j'ai déjà commencé à le régler. Là, je suis allé donc hop ici, réglage, et je l'ai mis sur ici, création manuelle de règles. Donc, comme c'est bien indiqué, le pare-feu interroge l'utilisateur lors de la création de règles. Alors, normalement, c'est censé me demander à chaque fois qu'il y a quelque chose qui veut se connecter à Internet. Et le problème, c'est que l'année dernière, eh bien, ça a été un échec. Donc moi, je vais quand même voilà, le remettre là-dessus. On verra bien. C'est un petit peu pour ça que j'ai décidé de le retester. Donc là, hop, c'est bon, j'ai appliqué. Je mets OK. Donc ensuite, voilà, vite fait, hein, je vous fais voir vite fait. Hein, parce que comme je vous dis, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Hop, on a ça, on a ça, on a ça. Et les réglages, tout est là. À chaque fois que vous changez d'onglet ici, vous avez les réglages qui sont là. Par exemple. Bon, je vais cocher ça. Je vais appliquer. Alors, fichier infecté, hein, on a ça. Désinfecté, copier en quarantaine, ok. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, hein, désinfecté, copier en quarantaine, ça veut dire qu'il va copier le fichier en quarantaine avant de le désinfecter, de façon à pouvoir le récupérer. Il ne va pas le désinfecter, puis le copier en quarantaine. Non, il va déjà le copier en quarantaine, faire une copie et le désinfecter, de façon à le garder si vous voulez récupérer quelque chose. Mise à jour, c'est ici. Alors, je ne sais plus si on peut modifier l'intervalle des heures au niveau des mises à jour, parce que quand ça se met à jour toutes les 30 minutes, ça devient agaçant. Pour l'instant, je ne vois pas et je ne me rappelle plus où c'est que c'est. Mise à jour. Protection du navigateur, machin. Bon, moi, je vais l'enlever parce que je n'ai pas besoin. Moi, j'ai une carte sécurisée, donc voilà. En plus, là, je n'ai pas besoin, je suis sur VirtualBox. Comme vous avez pu le remarquer, cette fenêtre-là. Alors, vous voyez, la mise à jour, mais je ne vois pas où on peut définir le temps. Étendu, qu'est-ce que ça dit? Ah, d'accord, ok. Alors, il faut cliquer ici. Alors, E, c'est pas le mode avancé, c'est étendu, ils appellent ça. Alors, il faut cliquer ici sur étendu, ça veut dire avancé, quoi. Paramètres avancés, c'est ce que ça veut dire. Voilà, toutes les 1 heure. Bon, moi, je vais pas mettre toutes les 1 heure. Je vais mettre toutes les 3 heures, pardon. On va appuyer sur la mauvaise touche et là aussi, hop, on va faire ça. Voilà, toutes les 3 heures, ça suffit largement. Voilà, on va appliquer. Il faut toujours, quand vous modifiez, vous appliquez. Pour ne pas oublier. Vous pouvez le faire après, mais c'est mieux d'appliquer comme ça, vous n'oubliez pas.
Analyse antivirus automatique. Là, moi, je vais enlever ça. Je vous conseille d'enlever ici parce que sinon, ça va analyser à chaque fois le PC dès que vous ne faites rien. Après, c'est vous qui voyez, hein. Et moi, je préfère l'enlever. Voilà. Hop, OK. Donc maintenant, voilà, j'ai fait quelques réglages. Je vous ai fait voir par feu, etc. Hop. J'ai redémarré, bien entendu. Donc là, je vais supprimer. Non, il y a encore, non, puisque normalement, je vais voir si le pare-feu est activé. Parce que ça, c'est une version de Data Internet Security avec le pare-feu. Donc normalement, ça a dû me désactiver le pare-feu de Windows. Normalement. S'il n'y a pas eu de boulette là. Voilà, apparemment, ça me l'a désactivé. OK. Donc là, apparemment, c'est bon. Voilà, ça me l'a désactivé, c'est normal puisque c'est Gdata qui fait le rôle. Donc maintenant, bah, hop, on va commencer. Hop, premier test. Bah, je vais lancer un logiciel et je sais qu'il se connecte à Internet, c'est sûr et certain. Et on va voir la réaction de Gdata. Alors vous avez vu, je l'ai bien mis sur me demander. C'est parti, on lance with disk cleaner. Et normalement, Gdata doit. Ah, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Vous voyez? Là, pour l'instant, il me le bloque par rapport à Internet. Et là, il faut que je prenne ma décision. Toujours refuser, voilà. Hop, ben moi, je vais mettre toujours refuser. Vous avez le détail ici. Toujours refuser. OK. Là, normalement, il a pris en compte. Hop, je ferme le logiciel. On va actualiser. Enfin, je vais actualiser. Je relance. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. C'est bon, ok, ça ne se manifeste pas. With Registry Cleaner. Ah là, pareil, ok. Donc là, vous avez vu, hein, vous pouvez choisir. Hein. Bon, pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Il me semble bien que l'année dernière, ça avait bugué. Donc pour l'instant, ça a l'air de tenir la route. On va essayer avec Oslogic, on va voir. Alors. Ah oui, il me dit, Oslogic. Oh, c'est un PUP, c'est rien. Alors, il me dit, Jamquar, PUP, Win32, application Oslogic. Action, désinfecter, copier en quarantaine. Non, je ne veux pas. Ah, là, vous voyez, il veut pas me laisser faire. Là, je ne peux pas choisir ne rien faire. Vous avez vu? C'est soit bloqué, ouverture, désinfecter. Mais si je désinfecte, après, il va me le dégager. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, voilà, qui me l'a. Ah, ben, il me l'a. Je crois que Gdata me le bloque ou m'a dégagé le fichier, ouvrir l'emplacement. Alors ça, c'est pas un bon point. Vous voyez, je ne peux pas dire, je ne peux pas dire, je ne veux rien que tu fasses. Voilà. Alors, bah, le problème, c'est que si vous avez des applications qui ont un peu du genre PUP, hein, eh bien voilà, il y a certaines applications que vous n'allez pas pouvoir les utiliser parce que Gdata vous empêche. Alors, il faut que je le mette dans les exceptions. Oui, j'ai compris. Bon. Bon, ça, je le ferai hors vidéo, c'est pas grave. Il va falloir l'ajouter dans les exceptions de Gdata. Alors, c'est par là. Hein. Éventuellement, je referai une vidéo ou alors je vais peut-être vous montrer tout de suite. Alors, c'est où? Exception. Alors, c'est quelque part, je ne sais plus où. Exception, là. Indiqué par un signal sonore. Ok, avancé. Vous avez ça. Alors là, je suis dans protection en temps réel, exception, apparemment, c'est là. Je vais plutôt mettre répertoire. Voilà, là, vous choisissez. Je vais lui montrer le dossier de Oslogic. Alors, c'est pas là.
Alors, est-ce que je peux? Ah, allez, on ne peut même pas étirer la fenêtre. Là-dessus, il peut mieux faire. PostLogic, voilà, je lui montre le dossier. Et je le mets dans les exceptions. OK. Appliquer. Analyse antivirus manuelle. Exception. Ben là, pareil, à chaque fois, il faut. Ouais, je trouve ça un peu con parce que je viens de le mettre dans l'exception, mais apparemment, il faut le remettre à chaque fois dans les types d'analyse. Manuel, automatique, bon, c'est un peu con, je trouve. Là-dessus, il peut mieux faire. Voilà, bon là, je l'ai mis, normalement, il ne devra plus m'embêter. Alors j'en profite aussi pour vous faire voir la consommation de la machine virtuelle, hein, du PC. Sachant que j'ai attribué à VirtualBox sur cette machine virtuelle, sur ce PC, on va dire, j'ai attribué 2 Go 200, donc 2200 MO, donc 2 Go 2, 2 Go 200 MO. Donc au niveau ici de la mémoire, je suis à 26%. Donc après, c'est à vous de calculer. Au niveau des processeurs, des processus, alors on va voir qu'est-ce que GData. Quels sont les processus utilisés par GData? Alors, GData, c'est où? Hop, là, voilà. Alors voilà, GData, ici, hop, on va voir combien de processeurs utilisent GData. Parce que VirtualWeb, au complet, il utilise 5 processeurs. Donc c'est quand même pas mal, contre E7, 2. Donc il y a une forte amélioration à apporter à DRWeb. Et là apparemment, GData, il y aura aussi d'amélioration. Alors nous en avons un ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, comme je vous disais, je viens de redémarrer le PC. Hop, à chaque fois, il me rebalance comme quoi que, voilà. Bon, ça doit pouvoir se régler dans les réglages, je suppose. Hein. Alors vous avez vu déjà. Jusqu'à là, j'utilise 7 processeurs. On va regarder plus bas. Voilà, je crois que c'est le pire que j'ai fait. Là, ça bat. Il bat DRWeb au niveau des processeurs. Alors, c'est bien ce qui est dit aussi sur YouTube et sur Internet. Comme quoi, GData, il consomme pas mal de mémoire. Alors, je pense qu'il devrait améliorer ici la consommation au niveau des processeurs. Parce que vous avez vu, il y en a 7 quand même. Hein. C'est pas mal. Et là, je suis à 100% de la fréquence maximale. Hop, ici. Donc voilà, vous avez vu ce que vous avez vu, hein. Mémoire, je suis à 27%, OK. Alors, il faudrait que je regarde avec... que je compare éventuellement avec DRWeb pour voir, moi, de mon côté, par exemple, sur mon PC physique, hein. Là, ici. Que je regarde. Voilà, bon, hop, là, je vous ai fait voir. Je vous refais voir une dernière fois GData. Alors, il est un peu lourd, hein. Donc, voilà, vous avez les onglets ici principaux, voilà, avec le détail en dessous. Et à chaque fois que vous voulez faire des réglages dans ces onglets, vous cliquez ici. Quand vous cliquez là, ça ouvre les paramètres de. Ben là, je suis dans le pare-feu. Si je me mets là, je suis dans Security Center. Si je me mets là, je suis dans protection antivirus, etc. La quarantaine, c'est ici. Voilà. Donc voilà, grosso modo, je vous ai fait voir. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à me les poser. Et moi, je vais tester un petit peu le tout hors vidéo. Et si vous voulez savoir éventuellement quelque chose ou vous avez besoin d'une vidéo sur GData, quelque chose de spécial. Eh bien, vous me le dites dans les commentaires et je vous ferai voir. But this was a killer.